Et ça tout le monde, c'est Tazorik Piracia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 120 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Twilight Princess HD. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait continué le Korokoro, on avait terminé le monde 4 hein, sur les 8 qu'il y a au total dans le sur le jeu, tout simplement dans le jeu. Donc aujourd'hui les amis, je pense que vous l'avez vu dans le titre et la miniature de la vidéo, peut-être pas la miniature mais en tout cas le titre de la vidéo les amis. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au fameux poisson légendaire. Donc voilà, donc aujourd'hui ce n'est pas l'épisode des défis hein. L'épisode des défis arrivera un peu plus tard dans la décennie là, d'épisodes dans la... En tout cas, ça dépend du nombre de temps que ça nous prend. Mais voilà, donc aujourd'hui on va directement commencer par pêcher le poisson légendaire. Mais avant de pêcher le poisson légendaire, on va déjà pêcher une leurre un peu étrange que je vais vous montrer. Tout simplement, donc elle est normalement ici, si je dis pas de bêtises. Donc on va devoir pêcher dans cette direction. Normalement je pense qu'on peut peut-être l'avoir en first try hein, si tout se passe bien. Allez, allez, en first try. Bon ben comme quoi c'est assez ouf. Voilà. Vous avez attrapé un leurre lesté. Ce leurre brillant est interdit dans certains endroits. Il devrait être très efficace. Appuyez sur A pour le récupérer. Vous pourrez l'utiliser pour votre prochaine séance de pêche au lancer. Donc en fait cette leurre qui est là en train de pêcher les poissons utilement, on va dire, c'est vraiment une heure assez défi avec leur grenouille plus tard. Mais là au cas où on va d'abord s'attaquer au fameux avec du coup le avec le oui la hoche d'Hyrule tout simplement. Donc au cas où si vous le savez pas, il faut qu'on sorte de cette zone et qu'on y rentre uniquement en été quand les arbres sont en fait de couleur verte. Voilà, les feuilles sont vertes et non sous forme cerisier. Donc on va y aller, s'il te plaît, merci. Alors au cas où c'est interdit, donc ça veut dire que si par exemple avec Ena ou Anna on vient et on utilise le leurre lesté, en fait elle peut nous le confisquer. Voilà, donc là c'est l'été, voilà, là on a l'été. Vous reconnaîtrez l'automne et l'hiver très facilement, hein, ne vous inquiétez pas. Mais de toute façon on pêchera en automne et en hiver, donc pour vous montrer un petit peu ce que ça fait. Mais voilà, on pêchera avec Ena. C'est Ena, pas Anna. Mais et donc du coup, voilà, on pêchera avec Ena et on verra ça, tout simplement. Donc, pour que vous compreniez l'histoire du poisson légendaire, tu veux que je te fasse un résumé de la légende de la loge d'Hyrule, le poisson du crépuscule? Affectionnant les eaux peu profondes, couvertes de nénuphars, hein, donc vous avez compris, friand de grenouilles nerveuses et fuyant la moindre présence humaine. Donc là, leur grenouille, ça veut dire qu'on doit l'utiliser. Elle est peu active quand les températures sont basses. Aussi, la meilleure saison pour la pêcher est l'été. Ainsi, et la loge d'Hyrule qui est un jour sauvera le royaume. J'ai beau l'avoir lu 100 fois, cette histoire, ça me fait toujours pleurer. Il me termine. Allez, du coup, on y va. La pêche est lancée sans limite de temps, en incluant la location de la barque, coûte 20 rubis. Et pour 100 rubis, tu bénéficies en plus des services d'une ravissante accompagnatrice. Alors, donc on va y aller seul pour le leur lester. Sinon, elle va nous le confisquer. Ok, et si tu sais pas comment pêcher, tu peux lire le manuel en appuyant sur L. Et il est fourni avec la barque. Bon, c'est parti. Bonne pêche. Alors, du coup, évidemment, les amis, pour voir ce que ça fait quand on utilise leur lesté avec elle, on le fera quand il nous restera, vous voyez, le avant qu'on fasse... Non, ça sera un épisode extra. Vous voyez, ça sera un épisode peut-être extra ou peut-être avant d'aller au tout dernier donjon. On fera ça. Bon, par contre, je sauvegarderai pas, mais voilà, c'est pour vous... Enfin, si, je sauvegarderai pour la phase où elle sera en colère, mais pas quand elle me confisque leur lesté. Mais pour vous montrer ce que ça fait. Alors du coup alors par contre on est en pleine nuit, donc super, t'as juste envie de me tabasser les couilles. Donc déjà au cas où on va aller à l'endroit prévu, donc je sais où c'est hein, de base. Vous allez voir, elle va pas tarder à apparaître l'endroit. C'est ici normalement, à gauche. Et voilà, logiquement je pense que vous commencez à le voir ici, voilà. Là c'est la zone remplie des nénuphars. Donc le poisson légendaire d'Hyrule est ici, précisément. Et il se déplace au cas où, c'est un poisson qui se déplace. Il reste pas stable comme les autres. Donc le meilleur c'est se mettre un peu au milieu. On va quand même s'équiper. Bah on l'a vu, elle est tout au loin. On va changer l'heure et on va mettre l'heure lestée. D'accord. Voilà. Donc l'heure grenouille c'est celui-là hein, donc qu'on utilisera quand on fera le fameux niveau défi, parce que c'est attraper la loge Hyrule d'une façon un peu plus compliquée. Et j'estime qu'en épisode défi ça peut être pas mal. Mais voilà, il est interdit de l'utiliser ici. Bon de toute façon il n'y a pas Ena, donc on va pouvoir l'utiliser. Et donc du coup on y va. Et on va pouvoir y arriver. Alors
On va pouvoir le pêcher. Tac. Donc il est là, hein, le poisson légendaire. Tout dépend du temps que ça prend. Ça peut prendre très peu de temps, comme ça peut prendre beaucoup de temps. Oh putain. Il m'a lâché. Ouais, parce qu'il y a une frame précise pour l'avoir, hein. C'est très très compliqué. Vous allez le comprendre. En plein de nuit, on voit rien. Je suis désolé. Il est où? Il est où? Il est derrière. Donc on a juste à pivoter. Et à lancer là-bas. Donc le meilleur, c'est de bouger quand même pas mal. Parce que comme ça, dès qu'il a... Voilà, on l'a eu déjà. Allez, maintenant il faut arriver à le remonter. Hein. Faut arriver à le remonter. Donc j'ai deux ou trois tentatives pour le remonter. Oh, on l'a eu. On l'a eu. Vous avez pêché une loge d'Hyrule de 71 cm. Si rare que les amateurs de pêche en parlent comme d'une légende. Voulez-vous garder ce poisson? On le garde. Et voilà, bah écoutez, ça aurait été un épisode court. Par contre, au cas où avec leur grenouille, ça va être très compliqué, hein, je vous le dis. Ça va être très très compliqué. On y arrête pour l'instant. Je suis sûr de vous l'arrêter, oui. Parce qu'avec leur grenouille, au cas où, on a très très peu de frame pour l'avoir. Donc on le fera avec le niveau défi. Oh, c'est une loge Hyrule, ça alors. C'est la première fois que je vois en vrai quelqu'un qui en empêche une. J'en prendrai grand soin à cet aquarium. Et voilà, elle est là. Donc on a tous les poissons. Oh, quelle émotion. Je pense pas que mon rêve se réaliserait si vite. Ce mini musée de la pêche et ce don... Et un don de Maître Azuric, le pêcheur légendaire. Et donc normalement, voilà, notre truc qui est là. T'as vu? Elle est réussie, hein. C'est un souvenir du jour où tu as attrapé la légende de l'Loge d'Hyrule. Enfin, c'est un montage, mais bon. Je pense que... Je sais pas s'il y a une autre interaction. Et aussi, le pêcheur légendaire, Maître Azuric, cette photo, je ferai passer ton nom à la postérité. Bon, ben voilà. Donc ça veut dire que les amis, dans l'épisode prochain... Je pense qu'on pourra essayer. T'es encore en train de t'admirer? Quel narcissisme! j'adore vraiment quand elle refait le truc. Du coup, lui, il a pêché la loge d'Hyrule. Je sais pas si elle va me dire. Ok. Bon, bah, du coup, oui. Donc, dans l'épisode, les amis, prochain, je pense qu'on fera un petit détour. Tout simplement, un petit détour. Pour la loge d'Hyrule avec leur grenouille. Non, je pense pas finalement. Je pense qu'on fera du cours au courant encore. On est au monde 4. On a fini le monde 4. Donc ça veut dire monde 5, monde 6, monde 7. Ça serait bien au moins de faire les 3 mondes. Donc d'aller normalement la semaine prochaine, si par hasard il y a 3 épisodes, on fera les 3 mondes. Les 3 pour finaliser un petit peu tout ça. Monde de Korokoro. Le dernier on le fera beaucoup plus tard. Vous allez comprendre pourquoi, mais le dernier on le fera beaucoup plus tard. Mais voilà. Et après, une fois qu'on aura fait les 7 premiers mondes, on fera tout simplement le défi de la loge d'Hyrule avec leur grenouille. Hein. Avec leur grenouille. Et ça par contre, vous allez voir, on va rigoler. On va vraiment bien rigoler. Il ne fait pas très beau aujourd'hui. Mais tu savais que c'est par un temps que la pêche est meilleure. Oui. Du coup, voilà. Bon ben voilà, écoutez, je suis très ravi, voilà, d'avoir pêché ce poisson. Alors du coup, comme je vous dis, ça peut prendre. Dites-vous que d'habitude, ça prend des fois plus longtemps que ça. Hein, mais voilà, moi vous êtes au courant. Donc écoutez, merci de m'avoir suivi pour cet épisode du numéro 120 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Du coup, logiquement, pour récapituler un petit peu, l'épisode 121, 122, 123 qui sera le Korokoro, l'épisode 124 qui sera du coup le niveau de la loge d'Hyrule avec le mode défi, donc la grenouille, qui prendra par contre à mon avis plus de temps, l'épisode 125
l'épisode 125, on ira faire tout simplement les différents. On ira pêcher dans les différentes saisons pendant moins une bonne trentaine de minutes. Donc 130, 125, 126, 127 et 128. Donc voilà, donc ça fera du coup un épisode par saison. Ensuite, 129, on ira, et si ça doit prendre plus, ben on prendra plus, mais 129, normalement, on mettra l'automne et on ira pêcher dans le petit bassin qui est là-bas pour choper les quelques petites bricoles à choper. Et enfin, l'épisode 130, on ira pêcher les poissons interdits, hein, qui sera par contre pas ici, qui sera un petit peu plus loin. Et puis voilà, et puis comme ça, au moins, on en aura fini justement pour ça. Enfin, en tout cas, pour cette zone-là, donc on n'aura plus à y revenir jusqu'à très 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 longtemps. Et du coup, ben merci de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 120. Et on se dit à l'épisode 121. D'ici là, ben portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.